Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un joli petit dimanche à 17h. Aujourd'hui, nous allons parler de moi, oui, si vous vous en foutez de moi, vous pouvez partir. Si vous voulez de belles annonces, vous pouvez rester. Ou si vous voulez me connaître un tout petit peu mieux, vous pouvez rester. Donc les gens, commençons déjà par... comme le dit le titre, comment je vois mon futur, plus quelques explications. Cette vidéo sera décomposée, je dirais, en 5 parties. En 5 parties, c'est plutôt des notes. Et je vais commencer déjà par avant. Avant maintenant, tout simplement. Alors, nous allons peut-être partir loin. Et je vais peut-être faire une introduction à ce que j'aime dans la vie. Et ce que je voudrais avoir. Mais ça c'est plus tard dans la vidéo, ça. Bon, commençons déjà avant. Commençons par la chaîne rapidement. Alors, déjà, je voulais vous parler de la chaîne. Pour vous dire que on est bientôt aux 5 ans. Et en fait, par rapport à la chaîne, vous savez, YouTube, on gagne pas forcément d'argent quand on veut, avec le nombre d'abonnés qu'on veut. Et en fait, comme tout le monde, j'ai des rêves. Voilà, j'ai des rêves, par exemple, avoir un métier qui me plaît. J'ai même une idée, mais je vous en parle plus tard. Quel métier, qu'est-ce que ça consiste et tout, qu'est-ce que je pense faire dans l'avenir. Aussi, il y a YouTube qui me passionne dans la vie. J'aimerais vraiment, enfin, si je peux vivre de YouTube, voilà, si c'est possible. Là, j'ai même pas la monétisation, donc ça va être compliqué. Et voilà, donc déjà, on va faire un petit truc rapide par rapport à la chaîne. La chaîne, comme vous savez, a été créée le 11 avril 2015. J'ai fait plein de vidéos et petit à petit, comme je vous ai dit, j'ai trouvé une vraie passion en faisant ces vidéos. Par exemple, des vidéos montées, des analyses plus story. Vraiment, ça, j'ai trouvé des passions dans les vidéos et c'est pour ça que je souhaite en faire un métier volleyball. Maintenant, allons rapidement, parlons de mes rêves et de certains métiers que je veux faire. Déjà, je vais vous parler d'un métier. Qui est mon objectif, on va dire, premier dans la vie, pour le moment. Au cas où, si je n'arrive pas à faire ce métier, je vais essayer de travailler YouTube. Ou le contraire, si j'arrive à faire ce métier et YouTube marche, je vais migrer sur YouTube. Mais bon, personnellement, le métier que je voudrais faire plus tard serait game designer. Alors, game designer, déjà, si vous préférez, créateur ou imaginateur de jeux vidéo. Un game designer, si vous préférez, c'est la personne qui imagine un univers, qui imagine, je sais pas, les personnages, et il crée des mondes. C'est lui qui écrit, en gros, les règles du jeu. La plupart du temps, le game designer, d'où game designer, comment on pourrait traduire ça comme dessiner, non, designer, créer. Bon, vous voyez un peu si vous faites un minimum d'anglais, game, jeu, voilà, je pense que j'ai pas besoin de préciser. En même temps, le game designer fait aussi le métier du level designer. Le level designer, c'est celui qui crée, tout simplement, comme le dit, les levels de jeux vidéo. Par exemple, prenons Mario, oui, c'est un jeu de plateforme. Déjà, le level designer, il est très important dans un jeu de plateforme, parce que sinon, c'est pas un bon jeu. Genre, s'il n'y a pas de level design sur un jeu de plateforme, par exemple, prenons Mario, voilà, Super Mario Bros. Sorti en 1983, par exemple, forcément, il y a, comme c'est un jeu plateforme, par exemple, il y a des blocs, je sais pas comment montrer ça à l'écran, mais voilà, il y a un level design, par exemple, c'est pas un trait tout droit, tout simplement. Il y a forcément, par exemple, des trous, des obstacles, des monstres. Voilà, c'est ça le level designer, c'est celui qui crée les levels d'un jeu vidéo. Et voilà, mon petit rêve, c'est d'avoir ce métier. Et je vais tout de suite, dans peut-être 2 minutes après la vidéo, vous parler de comment je vais essayer de le faire et qu'est-ce qui pourra se passer si j'arrive à accéder à ce métier. Après, parlons de maintenant. Là, c'est là où on va parler de quelques annonces en plus parce que je vais vous annoncer des petits trucs. Alors, le jour où vous voyez cette vidéo, c'est le dimanche 13. Je tourne ça un samedi 12. Vous imaginez bien le montage, genre je monte jusqu'à tard le soir, ça pleut dans la nuit, vous voyez. Donc maintenant les gens, comme vous le savez, en ce moment on a 1350 abonnés, j'ai lancé une guerre que j'aurais pas dû contre Desclaw qui fait augmenter ses abonnés, je suis un peu content pour lui et tout. Et j'aimerais vous annoncer 3 petits trucs. Déjà avec Nilaxio qui est responsable staff, nous avons énormément de projets, mais vraiment vous êtes pas prêts. Déjà le projet que vous annoncez, le Gotwell 2, qui va commencer en live le 31 octobre. À la période où vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire pour moi demain, mais vous c'est un dimanche, vous allez avoir un trailer.
vendredi. Vendredi combien? Vendredi 18 à 17h en première diffusion. Je ne dis rien, mais c'est ouf ce que vous allez voir. Si vous voulez un petit teaser aussi, il y aura sur Instagram vers le mercredi, jeudi, un petit teaser comme ça, si vous arrivez à lire, parce que c'est flou évidemment. Mais bon, c'est pas si flou que ça, donc vous pouvez peut-être savoir tout ça à l'avance. Ensuite, un autre truc que vous savez pas du tout. Genre, j'ai mis des petits indices par-ci par-là sur Instagram, sur YouTube, des petits flous. Tout ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que vous allez avoir un trailer dans le mois de novembre. Je vais rien dire, je vais rien dire. J'ai pas envie de descendre la hype de ce petit truc. Dans ce petit trailer qui sortira dans le mois de novembre, je vais pas dire quoi. Vous allez avoir toutes les infos par rapport à ça, par exemple. Déjà, un petit indice, c'est une série. Voilà. Enfin, c'est une série. C'est une série que vous allez vraiment aimer. Voilà, c'est pas une série, je sais pas, par exemple, on est sur un Lego Batman et on joue. Non, c'est un truc, voilà. J'ai rien à dire pour le moment. Et je vais arrêter de blablater par rapport à ça. Ensuite, continuons. J'ai un autre projet pour. Déjà, je suis en train de préparer en ce moment, oui, très très tôt, 6 mois en avance, une grosse surprise pour le. J'avais parlé d'un futur live. Une grosse surprise pour le 11 avril 2020. Pour les 5 ans de la chaîne, je vais pas dire ce que c'est, mais c'est une grosse vidéo. Enfin, c'est peut-être une petite vidéo, mais grossement vue, si vous voyez ce que je veux dire. Par rapport à cette vidéo, je vais pas en dire plus, mais cette vidéo, d'après moi, sera ouf. Et c'est un gros investissement, une grosse, on va dire, nouveauté par rapport à la chaîne. Et j'espère vous voir le 11 avril, ça doit être un samedi 11 avril 2020, pour cette vidéo. Après, je vais rien dire d'autre, mais il y a encore un projet qui est dans un petit moment. Je vais pas en parler. C'est en stade d'explication. On en parle, mais vraiment très très rarement parce que c'est quand même dans plusieurs mois. Je vais pas vous hype parce que voilà, ce serait un peu bête de donner trop d'informations. Et même si cette vidéo, ça fait que 7 minutes que je l'ai commencé, bon, ça va, une petite vidéo de 15 minutes. Nous allons parler dans pas longtemps du futur, c'est ce que je viens de dire. Et mon but dans l'avenir et tout ce que je vais essayer de faire avec la chaîne et tout à côté. Comme je vous ai dit il y a quelques minutes, mon métier que je voudrais faire, ça serait game designer. Alors, j'ai cherché un peu, comme d'habitude, quand on veut chercher un truc, j'ai cherché le métier game designer et des écoles, forcément. Si vous voulez une petite information, je suis en seconde, voilà. Je vais pas dire où je suis en seconde, mais vous pouvez peut-être trouver si vous êtes chercheur. J'ai déjà oublié ce que je voulais dire par rapport à ça, oui. Donc, forcément, j'ai cherché des écoles. Et forcément, les écoles, comment dire, c'est assez loin. C'est assez loin de l'endroit où j'habite. Je vais pas dire où j'habite, forcément je suis trop jeune, je préfère limite donner des petits indices quand je serai, on va dire, plus vieux. Quand je dis plus vieux, quand j'aurai un appartement, quand j'aurai peut-être une maison, quand je serai en coloc. Quoi, j'ai annoncé un truc qu'il fallait pas. Oups. Non, c'est pas vrai. Ou peut-être. Donc voilà, il risque dans un futur. De toute façon, c'est après le lycée, donc je suis en seconde, on va dire, première, terminale. Et ouais, allez, dans 2 ans facilement, il risque d'avoir sans doute une. Vous voyez ça, ça c'est les vidéos actuelles. Ça c'est les vidéos qu'il y aura. Bon, il y aura peut-être pas une grosse chute comme ça non plus, mais d'après moi, surtout si je vais aller à cet endroit. Voilà, ça fait loin, ça fait très loin. Donc je sais pas s'il y aura moyen de. Bah, que je fasse des vidéos et des lives à côté, mais bon. Si vous voulez un indice, c'est peut-être entre 3 et 5 heures de route. De l'endroit où je suis à l'école la plus proche. Genre, l'école la plus proche, il y a 2 endroits. En fait, j'ai pas envie de donner des indices parce que si je vous dis exactement les écoles les plus proches, bah, comment dire, je vous dis le nombre d'heures environ. Vous allez sur Google Maps, vous faites un espèce de cercle par rapport à l'endroit où je vous ai dit, le nombre d'heures. Et normalement, sur ce cercle et sur une intersection, parce que voilà, 2 écoles, je sais pas, je parle de géométrie, oui, c'est un peu fou. Vous allez peut-être trouver environ l'endroit où j'habite, et ce serait franchement très très bête. Donc les gens, après, c'est, on va dire, cette école professionnelle que je voudrais faire, je voudrais directement aller, on va dire, aller travailler, voilà, tout simplement. Si YouTube, jusqu'en 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, ça ne marche pas. J'ai quand même marqué dit 2028. Ben, je vais peut-être pas y aller à 100% sur, on va dire, le futur travail que je voudrais faire, mais ça, il y aura moins de vidéos, il y aura moins de choses. Et voilà. Tout simplement, je voulais parler de ça. Si vous avez des questions, vous pouvez le dire en commentaire rapidement. La vidéo a duré 10 minutes. J'ai parlé de tout ce que je voulais parler rapidement.
Mais bon, ça fait du bien de parler, vous savez. Genre, je voulais vraiment parler de moi, de ce que je voudrais faire plus tard, de vous parler s'il risque d'avoir des moments d'inactivité. Et de toutes ces petites choses comme ça, parce que oui, vous êtes la communauté, je dois quand même vous parler de ça. Et de mes rêves, tout simplement. Si vous êtes, par exemple. Ah, j'ai trop mal la jambe, je viens de me péter la jambe. Si, par exemple, il y a des abonnés qui sont dans le marché du travail, je sais pas si on peut dire comme ça, dans la vie active, et s'ils travaillent dans le domaine du jeu vidéo. S'il veut, vous pouvez aller me contacter en privé pour parler un peu de ça, parce que forcément, on va dire, je suis un peu jeune par rapport à la vie active. Et je m'y connais pas trop parce qu'Internet, voilà, c'est bien Internet de temps en temps, mais ça dit un peu des conneries et voilà. Même si par exemple c'est une personne, je sais pas, qui est graphiste 3D, mais dans une école du jeu vidéo, ça peut être intéressant parce que je sais pas, dans une école du jeu vidéo, s'il y a game designer avec, peut-être qu'il s'y connaîtrait, peut-être qu'il aurait des potes, des trucs comme ça, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Cette vidéo a duré 12 minutes, mais bon, j'ai voulu parler comme ça. Les vacances arrivent à grands pas, mais je vous annonce énormément de nouvelles choses. Comme je vous ai dit, le trailer vendredi, le Gotwell, et tout plein de petits trucs qui vont arriver. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher le. Allez, lâcher des masses de likes. Je donne pas d'objectif de like. Parce que je préfère voir vraiment par vous-même. Si vous voulez ou non. Genre, n'hésitez pas à liker. Voilà. N'hésitez pas. Si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, partez. Ou dites, je n'ai pas aimé la vidéo. Pourquoi? Voilà, c'est bien d'avoir des commentaires constructifs. Genre, j'ai même envie de dire. Dislikez si vous souhaitez. Enfin, si vous souhaitez pas pour rien non plus. Parce que même le dislike et le like, j'ai entendu parler que ça change rien, même ça donne plus de référencement plutôt à tout YouTube. Donc voilà, faites ce que vous voulez. Vous avez le choix. Voilà. J'ai arrêté de parler. Et je vais terminer par vous dire un petit truc. Dans le mois de novembre, j'ai sorti une série. Une série sur un Mario que je vais pas énoncer pour le moment parce que bah j'ai fait un petit truc sur l'onglet communauté et tout. Vous avez deux jeux, je vous laisse voter et tout. Je vais tourner peut-être cette petite série en avance et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc les gens, merci de regarder cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, j'allais dire n'hésitez pas à liker, mais on s'en fout, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, merci de regarder. Ciao tout le monde, bye tout le monde.